Une couleur domine sur la place, l'orange. Des chasseurs. Ah, ça marche toujours. Il va arriver. Voilà. Ça tourne. Bonjour, je me présente, je m'appelle Anthony Asruel, je suis le trésorier du comité des fêtes. Et du coup, dans ce stand, c'est la buvette. Il y a les trois associations qui la gèrent, le comité des fêtes, les chasseurs, la Diane du Milobre du coup, et le Cantou. Alors c'est une buvette, vous pouvez y passer votre journée pour boire, si vous avez un peu chaud, boire un petit café ou même manger des sandwichs. Voilà. Alors dans ce stand que vous pouvez voir là-bas, vous pouvez manger des sandwichs, notamment à la saucisse ou au merguez. Et vous avez tout plein de sauces pour accompagner. D'étranges tenues de cavaliers nous interpellent. Nous sommes bien à Buis et pas au Texas. Explication. Bonjour, donc moi je suis Fabienne Toby, je suis présidente d'une association qui s'appelle Cheval de Ranch et Pastoralisme Pyrénéen. Nous sommes une association de cavaliers propriétaires qui sommes au service des éleveurs pour les transhumances, les rassemblements de troupeaux. On travaille à cheval et d'ailleurs on travaille pour un groupement pastoral actuellement, le GP du Dourmidou, et pour certains éleveurs justement de Buis. Et ça nous permet d'aborder les animaux avec plus de facilité. Et puis on travaille les vaches et toute l'année on se forme avec des coachs qui sont venus des États-Unis. Pourquoi le western? Tout simplement parce que c'est un travail adéquat par rapport au travail de la vache et le matériel, tout est adéquat par rapport au travail. Donc, et puis c'est une passion aussi. Alors vous allez faire une démonstration là. On va essayer, on va voir si c'est faisable. Là on a les chevaux sur le champ de l'autre côté, mais on va venir avec. Je viens de les interroger, donc je les filme. Ouais. Ah, c'est le sac, d'accord. Ah non, c'est le cheval peut-être. Oui, un autre cheval. Voilà. Attention quand même, va pas dans le coup de sabon. C'est ça. Je pratique ces animaux-là avec plaisir. Enfin, moi. Pendant ce temps, une grande poêle commence à chauffer. Et la cuisson se poursuit.